Dans l'épisode précédent, on a battu Marseille à la dernière seconde, ce qui nous a permis de nous qualifier en finale à la maison contre notre adversaire de toujours, le Flash de la Courneuve. Quatrième match contre de l'année, on avait commencé cette saison chez eux sur une défaite 35-0, puis on les a recroisés en Coupe d'Europe pour un match plutôt serré qu'ils ont remporté 45-27. Pour terminer la saison, on les a retrouvés en 10e journée du championnat, et cette fois-ci, on s'est imposé 38-21. Et celle-là, elle fait plaisir de ouf. Ah, c'est tellement bien de jouer contre le Flash, ça joue tellement bien des deux côtés. Deux victoires à une, à nous d'égaliser. Wesh, c'est Léo Sartel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui résonne beaucoup. Dernière fois de la saison, on vlog ici dans ce petit tunnel du stade Joseph Moina. Et puis pas pour n'importe quel événement, vu qu'on a la chance d'accueillir cette saison le 26e casque de diamant, la 26e finale du championnat élite de football américain. Et on a encore plus de chance parce qu'on s'est qualifié contre Marseille pour jouer la finale face au Flash de la Courneuve. Donc on joue à domicile, en tout cas à Thonon, parce qu'on joue pas vraiment à domicile, étant donné qu'on a les mêmes fiches avec le Flash durant la saison, 9 victoires pour une défaite, mais que eux ils ont gagné contre nous avec plus de différence. Ceux qui sont considérés comme à domicile, c'est donc eux qui jouent en noir, et ceux qui prennent notre sideline côté grande tribune. Nous on jouera pour la première fois sur la petite sideline, donc c'est un peu spécial, mais bon, ça va changer. On va voir ce que ça fait de jouer de l'autre côté. En tout cas, il fait beau, on est content, on accueille ça à la maison, c'est-à-dire c'est trop bien, il va y avoir tous les copains, il va y avoir la famille, les amis et tout. C'est toujours un boost de jouer à domicile. Il fait un peu pas orageux mais nuageux, mais ça va, il y a quand même un petit vent donc c'est assez léger. On a mis le maillot K-Corp pour activer le boost de la K-Corp qui a fonctionné jusque là. On espère que ça va fonctionner encore. Et aussi on s'est fait une petite mèche blonde, vous connaissez, qui dit finale dit teinture. On est plusieurs, regardez Adèle par exemple, il est super gentil. Il est d'attaque, il est sûr. Ouais, il a dit qu'il était d'attaque. Wesh les gars, vous êtes bizarre. Ah, je parlais de nos coupes de cheveux, toi t'as un beau blond. T'es mon blond. Contour. Ouais, t'es beau blond. Taillé au couteau, pareil. Taillé au méché, taillé au contour. Puis il y a Kevin. Kevin qui est super sympa, quoi. Taille-le-moi. J'ai jamais giflé. Tu l'as giflé fort, il a une patte dans la nuque. Oh, gros, je t'ai fait une trace, frère. Ah ouais? Non, excuse, non, pas les couilles. Regardez, je vais mettre mes lunettes comme un connard. Non, mais gros, je te dis, c'est à cause de la rue Okawa. C'est le compte offshore qui dépasse sur le debump. C'est des lunettes de soleil? Non, c'est des lunettes bleues. Teintées? Vite teintées, fort Zénon. Vitreux teintées. Bendo. Vas-y, fais la danse, Lunettes teintées, forcé non, vitre teintées. Bendo. Ok, Kevin, si t'as été choisi dans cette émission, c'est pour que tu nous montres ta caisse. Je vais vous montrer la Mustang noire. Elle a un V12 sur le capot, avec des jantes en alu, même. Suivez-moi, je vais vous montrer ça. No woman, no cry. Ok, montre-nous ta caisse, mec. C'est un spoiler, mais pour un maximum d'aérodynamique. Regarde cette putain d'antenne. Attends, on met un spoiler dans la vidéo maintenant. Ok. Peut-être on sera triste, peut-être on aura gagné. C'est Bubble Beat. C'est Bubble. On m'a dit, celui qui gagne le match, tu repars avec. Attends. Je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit. Chaque joueur a une voiture. Oh, c'est une cobra. Ça attaque du cobra quand même. Oh, gros, regarde. C'est plus jamais ça, gros. Jamais. Non, man, suis-moi, je vais te montrer ma voiture. Oui, Timon. Eh, hey, t'es pas Walker. Regarde les sorties de terre, là. Mets des effets de... Ça, c'est yo, comme man, ça. Parle-nous de ta bagnole, mec. Ma bagnole, mec, c'est une Clio 3, c'est mec. pas fou, quoi. Ah, t'as une accréditation? Ouais. T'es joueur? Tu joues? Non. Tu joues? Non. Je l'ai gratté. C'est la B, c'est lui qui bénit le match ce soir. Regarde ça. C'est la B. Suivez-moi. De moine. Une bien sûr ferme et bien sûr sœur. Tenez-moi la main. Oh. La B d'Adjou. Bonjour Léo. Bonjour. Vous avez un très beau t-shirt. Merci, c'est la Carmine Corp. Tu connais l'e-sport, toi? Oui, bien sûr. C'est quoi ton équipe e-sport préférée? La K-Corp. Non, FaZe. C'est un bolos, faut parler avec lui. Je vais le regarder dormir. Laisse-moi vous t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Ça c'est JCJ. JCJ Domino. Non, c'est Price Tag. Non, Price Tag. It's not about the money. Oh, c'est un blind test. Oh, je suis trop chaud. En tout cas, le terrain est un billard et je ne parle pas de Titouan Billard. Parce que... Ah ouais, c'est mon autre ami du coup. Je l'avais. Ouais, en 4 ans en Black Panther, en 3 ans d'élite, c'est ma 3ème finale. Une perdue contre le Flash, une gagnée contre les Cougars, et une nouvelle contre le Flash. En 4 ans pour les Blacks, ça fait 4 finales en élite aussi, parce que 2020-2021, il n'y a pas eu de saison. Donc ouais, c'est quand même assez fou hein, de faire autant de finales quasiment chaque année depuis 4 ans. Bon, chaque année en fait depuis 4 ans la finale. Le Flash, pareil, hein, 3 sur 4 en termes de finale. C'est beaucoup, et les Molos? Tu check ça? On a fait des finales hein. Ouais, en 2015, je crois. Ah, Elite? Ouais. Ah oui, Elite, ouais. Putain, on va avoir une nouvelle révélation capillaire. Smyrnir! T'as vu qu'il y a un cancer, ça! Je me suis cramé la tête, la vie, j'ai tout rasé, gros. Ah ouais, gros.
Mais de rien, battez-vous. Mais non, battez-vous, il ne peut y avoir qu'un chauve. Mais là, il est aligné, le seul chauve. Putain, ça fait bizarre de voir le terrain dans ce sens. Et il a retourné le terrain, trop bizarre. Mec, d'habitude, on voit pas dans le sens. Il y a un six. C'est un multiverse. Multiverse of Madness. Bienvenue dans le multiverse. Là, tu t'appelles Adèle. Leda. Leda. Adèle. Leda. C'est vrai qu'il est presque 6h et le flash est toujours pas là. Normalement ils sont là. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un double down, double DK sur l'overmelt. Je mets ça tout de suite. J'adore, c'était sûr. Vas-y, laisse-moi lâcher ton doigt maintenant. C'est qui arrive? C'est qui? Le flash. Ta-da-da. Non, c'est pas lui le flash, c'est derrière. Là-bas. Hey! Oh, t'as mis de la cire? Ouais. Yam. T'aimes bien? Ouais. C'est Nike. Vas-y, carré, carré. Bien carré en tout cas. Eh, tout ça, c'est bien carré, ma gueule. Noir, c'est noir. C'est noir. Arrête, sale, arrête. Sale. Tu fais pas un petit tout aujourd'hui? Franchement, je le sens. Ouais, moi aussi. Je sens que je vais marquer. Quel tracé? Genre une out du tight end. Non. Une out, une corner fade et tu. C'est pas un terre. C'est pas un tracé. Et après, tu fais un. On parle en tracé. On parle en tracé. C'est pas un tracé, sale gros. C'est pas un tracé. Vous allez faire une commo, les gars, arrêtez. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Okay, même moi, j'ai oublié pas... ça. Même lui, il avait oublié. Bon, là, on a un problème, on a 3 chauves dans l'équipe. Ça va? Bien, bien. Et vous? Bien. Bah ouais, ça va. Vous avez bien les vacances? Là, toujours monté, bien les vacances. Ouais, tu m'étonnes. Un petit coup de graisse. Ouais, là. À Rhodes. Ah oui, pardon. Comme je suis du fil, j'y ai rien, mais... Ok, vas-y, tu mets qui en MVP de la finale? Moi. Ok, tu mets qui, toi? Moi. Toi, tu mets qui? Bah, moi. Merde, j'ai qu'une main. Let's go, special team reviews. La dernière chose, c'est bien sûr achever chaque action. Finish everything. Finissez les blocs, finissez la poursuite, finissez chaque jeu et finissez le match. Alright, team, let's go. Break it down. Let's go! Let's go les gars, dernier match de la saison, on les connaît. Et c'est un match comme tous les autres. Let's go. One two black, one two win. One two black, one two win. Oui. Bon allez, hein, on va aller se changer gentiment, se stretch, faire du pistolet gun. Et voilà, après un petit match à jouer à la maison, tranquillou, bidou bidou. Bon écoutez, nous on va se changer, on joue en blanc, on va mettre nos maillots, tout ça, et puis partir s'échauffer. Mais ouais, on va aller tout chercher, Anaïs qui filme. Pour ce dernier match de la saison, Anaïs qui nous a carré toute la saison à domicile. On va lui donner la caméra, les objectifs, tout ça. Et elle va être... Tout ça est géré, comme ça nous on peut se concentrer. Et c'est parti, finale 2022. Putain, le temps il passe vite. Black Panther flash, let's go. Friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. On fait un revers ou une demi-volée? Je connais trop le tennis, hein. Je suis classé 30A. Petit flow, monte-nous un peu ton flow. Ah, ça c'est mon flow d'échauffement, y'a rien. Je vais juste mettre un crop top et juste ça aujourd'hui de fancy, voilà. On y est, c'est le grand jour, la grande finale, le 26e casque de diamant. Et bienvenue ici dans ce stade, Joseph Moana, Thonon-les-Bains, les Black Panthers face au flash de la Courneuve. C'est l'affiche de cette grande finale, une affiche de rêve. Et les voici donc. 11 fois champion de France, le flash de la Courneuve qui rentre sur la pelouse. Les champions de France en titre, hein, on peut le rappeler, Jean-Philippe, mine de rien, hein, bon, la dernière il n'y a pas eu de saison, mais les derniers champions de France, ce sont les Black Panthers de Thonon-les-Bains, donc qui défendent leur titre ce soir. Allez, on vous laisse vivre l'entrée sur le terrain des Black Panthers de Thonon-les-Bains. Le traditionnel protocole hein, des Black Panthers. La présentation du drapeau. Let's go, on est parti. Finale contre le flash de la Courneuve. Coup d'envoi dans une minute. On commence en défense. Il y a du monde, c'est bien. Il fait chaud, mais pas trop. Il fait beau. Bon match à tous. Profitez de ces belles images. Merci à Alice. Merci tout le monde pour la saison. C'est parti. La longue passe, la balle, attention, peut-être une interception en deux temps. Et c'est capté la première réception, le premier gros jeu. Jacques-André Coutien. Des Black Panthers, lui aussi va chercher une longue passe. D'entrée de jeu, c'est capté. Oh, le gros jeu, est-ce qu'il peut rester debout dans le plaquage? Pour sauver le touchdown, le plaquage de Villabelle Petit. Avec le ballon qui regarde sur sa gauche, Brighton Shack par-dessus. La passe, elle arrive au bon moment. Elle est captée, attention derrière. Est-ce que ça va être donné? Non, il avait mis le pied dehors. Brighton Shack, oh le mauvais snap, attention. Brighton Shack qui va peut-être se faire ça, qui parvient à éviter la pression sur leur corps. Et finalement, il se fait ça qui a assassiné.
tight end, le receveur qui va effectuer ce punt. Pour un bon punt d'ailleurs. Ah, le rebond favorable de la Panthère. Oh oh oh! Oh, ça a été touché, c'est terrible! Qui arrive par-dessus là-bas pour Ennis Smith, c'est 2 contre 1 et la très bonne défense. Doublement
renversée. Est-ce que ça va s'ouvrir pour Nicolas Condardo? Il y a du temps. Il va lancer pour Léo Sartel. Oh, la passe qui est échappée par le receveur des Black Panthers, ça c'est dur. Ça sent coupé. Oh ouais, oui, ça. Oui. Et pour qui? C'est récupéré pour le flash. Pour le flash, ouais. Et c'est bien le flash de la Courneuve qui va être sacré. Le champion de France de donc ne conservera pas son titre. Que dormir. Cette équipe du flash de la Courneuve qui remporte un 12e. C'est la pire outro que j'ai jamais eu à faire de toute ma, ma chaîne YouTube. C'est une bête de saison. On a grave eu des moments clutch importants. Malheureusement, on échoue sur la dernière marche. Ça fait mal parce qu'on échoue aussi contre le Flash. Je suis déçu. Je vais pas vous mentir, je suis grave déçu de ma performance en finale. Dans la demi, c'était cool. Autant j'ai fait de la merde en finale et voilà, j'ai un peu le poids de la défaite sur les épaules. Mais bon, c'est la vie, c'est le sport, c'est ça qui est beau aussi. Et c'est des sources de motivation qui sont infinies. Et voilà, maintenant on va s'entraîner vraiment. Là c'est bien, on joue au foot, on s'amuse et tout. Maintenant on va vraiment s'entraîner, faire une vraie prépa et revenir plus fort l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis aussi toute cette saison, ça donne la force, ça fait plaisir. C'est vraiment grâce à vous et tout que je peux vivre de ça et vivre des expériences comme ça. J'ai la chance de pouvoir me concentrer sur le foot et de vivre des vidéos et tout ça, et c'est grâce à votre soutien. Sur un autre point, j'ai progressé beaucoup sur cette saison, que ce soit mentalement, physiquement. Je suis triste de cette fin, j'aurais espéré mieux, j'aurais voulu mieux jouer, mais c'est comme ça, la vie on peut pas contrôler, on peut pas revenir en arrière, j'aimerais refaire tous les jeux du match, mais c'est comme ça. Donc les yeux penchés vers le futur, on contrôle ce qu'on peut contrôler et on viendra plus fort. Merci d'avoir été là, et puis, voilà, merci beaucoup.